poursuite des activités de la quinzaine du Conseil des Béninois de France. La septième journée de celle-ci, ce mercredi 28 décembre 2022, a été consacrée aux rencontres. La première s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec le ministre Aurélien Aguenossi. Conduite par le président de l'association, la délégation a échangé avec le chef de la diplomatie béninoise sur plusieurs sujets. Au sorti de l'audience, le président du CBF a fait le point. Les préoccupations que nous lui avons portées l'ont touché. L'ont touché et qu'il a tenu à essayer de répondre point par point à toutes ces préoccupations. Nous sommes très contents. Je ne vais pas dire que nous sommes très contents, que toutes les réponses qu'il nous a apportées nous ont forcément satisfaites. Mais il nous a promis un certain nombre de choses. Et nous espérons que ces choses se feront. Nous sommes de gros représentants des Béninois de l'extérieur. Et là, nous devions dire au ministre les grosses préoccupations des Béninois de l'extérieur. Nous avons remis au ministre, pour cela, un cahier regroupant les préoccupations des Béninois de l'extérieur. Les membres de la délégation se sont ensuite rendus à Port-Nouveau. Dans la ville capitale, ils ont été accueillis au cabinet du maire. Au cours des échanges, le CBF a exposé ses actions en faveur du développement et soumis ses préoccupations. À l'issue de la séance, le maire s'est réjoui des discussions. Nous avons eu de très bons échanges. Nous avons vraiment fait un tour des opportunités et de la manière dont on peut travailler pour bénéficier des financements dans le cadre des projets de développement au profit de la ville. Et donc, dans ce cadre, nous avons convenu d'un calendrier et de beaucoup d'autres choses. Les échanges ont été concluants et prometteurs. Et le CBF est reparti avec un sentiment de satisfaction. Nous avons eu avec le maire ce que nous sommes venus chercher parce que, comme je l'ai déjà dit, et nous sommes au Bénin dans le cadre, entre autres, d'une rencontre avec les institutionnels, c'est-à-dire que ceux qui ont la charge de gouverner. Et nos échanges avec le maire ont été très fructueux. Il nous semble que c'est le départ de quelque chose de très important. Parce qu'il y aura probablement une ou deux conventions qui seront signées entre le Conseil des Béninois de France et la mairie de Porto-Novo. Pour nous, c'est important. C'est important de pouvoir avoir éventuellement un cadre de travail avec la capitale du Bénin. Après cette série de visites et des projets de rencontres institutionnelles, place ce jeudi à la journée d'échange organisée par le CBF sur les apports de la diaspora au développement du Bénin, 25 ans après la Conférence nationale des Béninois de l'extérieur.